Grand-mère ramasse par hasard une boîte de comprimés analgésiques. Mais au lieu de les donner à la police, elle les rend au chef du gang, qui vend la drogue, et lui propose de se joindre à eux pour vendre la drogue avec eux. Quoi ? Tout le monde dans la salle est choqué par la demande de grand-mère. Le chef réfléchit un moment, puis déverse une boîte de pilules sur la grand-mère et lui promet que si elle réussit à les vendre, il acceptera que la grand-mère se joigne à eux et lui donnera 10% de la commission. Grand-mère a accepté avec plaisir. De retour à la maison, elle suit les instructions du chef du gang et divise les analgésiques en petits paquets de 5 grammes chacun, prêts à être vendus au détail. Mais il y a un problème, le chef du gang ne lui a pas dit combien cela valait. Cela n'a pas empêché la grand-mère de faire preuve d'ingéniosité. Elle se rend immédiatement au commissariat et trouve son gendre, qui est policier. Grand-mère est aussi une personne franche, elle est venue demander à son gendre quel était le prix actuel des analgésiques. Bien que le gendre ait été un peu perplexe, il a dit à grand-mère qu'ils étaient vendus au gramme, et qu'ils pouvaient se vendre à des dizaines de dollars le gramme. La grand-mère est folle de joie. Elle se précipite dans la rue et entame son premier voyage pour vendre de la drogue. Grand-mère demande à